Les 25 élus communaux de Tchaourou se retrouvent pour la quatrième fois cette année, tel que le prescrivent les tests. À l'ordre du jour, 12 points sont inscrits, dont en principal l'adoption du plan de travail annuel, du plan annuel d'investissement et du budget exercice 2018 de la commune. Le projet de budget exercice 2018 que nous soumettons à votre appréciation est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 158 307 francs. Comparé au collectif budgétaire de l'année 2017, on voit bien qu'il s'agit d'un projet de budget qui est revu à la baisse, soit environ 12% de réduction. Les difficultés de fonctionnement sont perceptibles, mais le conseil communal entend mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources propres, dont le début de mise en œuvre est porteuse d'espoir. Il s'agira, en clair, de nous investir à la sensibilisation des populations à s'acquitter de leurs impôts et taxes, va expliquer l'autorité communale. Ceci passe par la dotation des élus communaux et des agents du service des impôts en matériel roulant. À ce titre, les clés de 32 motos et 2 véhicules pick-up ont été officiellement remises aux bénéficiaires ce 28 novembre. Des acquisitions faites sur fonds propres et fonds FADEC d'une valeur de près de 100 millions de francs CFA. Une mission égale moyens. Les moyens sont mis à notre disposition. On est actif pour pouvoir au moins renflouer la caisse de la commune. Autre réalisation faite courant 2017 et présentée à l'occasion de cette session, il s'agit de l'aménagement de la cour de la mairie. Ceci pour la rendre plus attrayante. La mise en œuvre de l'arrêté interdisant la vente de soda bifrelaté, la convention de partenariat entre la commune et l'association de gestion du marché à bétail de Tchaourou sont entre autres dossiers examinés courant les deux jours de travaux.